Et José, bonjour, voilà, José Garcia, qui va nous rejoindre. José qui est un habitué, hein. Qui est un habitué, il est déjà venu à l'édition précédente. José, ça s'était moins bien passé. Non, on l'aura avec nous juste après. Et justement, il a Maxime Muscat, qui est là dans le jury. Il représente une association, lui aussi, hein, Rêve de Gosse. Donc ils ont appelé leur équipe Super Rêve de Gosse. On a Jackie, hein, c'est ça. Voilà, Jackie Jaillet et José Garcia. Deux potes, hein, qui sont là donc pour cet assaut, déjà participants en 2014, on les avait déjà vus. Alors, on va les retrouver dans quelques instants. Et là aussi on en voit du burlesque, on en voit du franche cancan dans la pure tradition du music hall français. Et apparemment José apprécie. Il a un tourné de parapluie plutôt swagué, faut le souligner, plutôt stylé. Ça se soigne, une bonne note pour la créativité, c'est déjà bien parti. Regardez, voilà, ils font les faux culs. Alors cette association, hein, Rêve de Gosse, est là également pour l'acceptation de la différence, pour changer le regard sur le handicap. Et c'est eux qui vont s'élancer, voilà. Allez, on va. Alors je sais qu'en 2014 c'était dans l'autre position, c'était José qui pilotait, Jackie était derrière. Là ils ont changé alors que nous avons de la visite. Eh oui, pour commenter il fallait être musclé. Et qui nous rejoint? Teddy Thomas, un jeune. Il joue du Racing Métro. Salut, de Teddy. France. Welcome, Teddy, dans l'équipe. Regarde comme on est bien. Et on va suivre la prestation de José Garcia. Tu le connais, José? Oui. Tu l'as rencontré. Eh bien, on va suivre. Tu peux nous la commenter parce que toi, t'es membre du jury aussi. Dis-nous ce que t'en penses de celle-ci. T'es déjà une belle casse à savoir. Ouais. Joli. On se prend un peu d'eau déjà. On se prend un peu d'eau, très belle prise de vitesse. On a la cam embarquée, on la vit, tu vois, en immersion totale. Il est pas très serein. Non, il est assez. Il tient le volant assez. Il est en axe, hein, sur le. On voit qu'il y a une certaine crispation en termes musculaires. Un petit peu tendu, ouais. Attention, José est stressé parce que Jackie qui a l'habitude de piloter les catapultes, il ne sait pas du tout piloter ce bolide. Oh là là, ça arrive en bas ou pas, Teddy? Oh, ça guidonne! Oh là là! Chute dans le caméraman! Ils sont incroyables! Ils sont exceptionnels! C'est le festival! On a été servi par le spectacle. Mais c'est ce qu'on aime! C'est ce qu'on aime! C'est ça aussi! Teddy, la note artistique là? 9! Parce qu'ils ont fait le show. Ah, on est bien. Alors je sais pas si t'es au courant, je te la prends parce que c'est une exclusivité. Regardez. Teddy, Brice m'a dit, vous êtes là, vous participez la prochaine et c'est toi qui pilote. Lui il pousse, c'est toi qui pilote. Alors, c'est quoi cette réaction? On valide ou pas? Allez-y. C'est par mes coachs. Ah ouais, les coachs ils sont en train de regarder, ils disent non, arrêtez, non, c'est pour une bonne idée, les gars. Un grand plaisir, mais on mettra plutôt Brice au volant, il est plus léger, ce sera plus c'est facile vrai pour tu préfères donner l'accélération. C'est marrant parce que lui il a donné exactement en fait l'argument inverse. Il a dit non, on va mettre Teddy, il est plus lourd, donc ça ira plus vite. Non. Il a arrêté les coltos, donc les Magdi, il connaît pas. Ouais, c'est la physique, c'est la gravité, mon pote Brice. Vous réglerez ça entre vous, d'ailleurs je me mêle pas du clash. Bon alors toi, parce que voilà, on t'a vu au niveau du jury, t'as distribué de la petite note. Comment ça se passe l'ambiance dans le jury d'ailleurs? Parce que ça on n'a pas trop su, nous. Hein. Bah écoutez, ça se passe très bien, donc c'est vrai qu'on se connaissait pas auparavant. Pas de langue de bois, hein, vas-y. Hein. Non, on a appris à se connaître, on a passé un très très bon moment, franchement c'était assez sympa de voir les candidats danser, nous regarder, faire un petit peu le show, c'était vraiment une nouvelle expérience et c'était top. Pourquoi t'as mis 10 à Camille Serre? J'ai pas compris, comment ça se fait que t'as... Parce qu'on m'a glissé un billet. C'était qui ton chouchou pour l'instant? Voilà ton petit chouchou, on va dire, sur l'aspect créativité, esthétisme. La caisse à savon qui t'a donné envie comme ça de... La chaussure de ski. Ah mais c'est... On a vu qu'il y a un très très gros travail derrière. Il faut aussi récompenser le travail. Donc le travail. Ouais, tu l'as vu à l'arrivée ou pas, la chaussure de ski? Ouais, elle était plus chaussure de ski. Hein. La semelle. Hein, il a fini en semelle, le garçon, mais bon. En même temps, ils se sont fait plaisir. Ouais, je pense exactement. Que toi, t'as dû bien rigoler aussi, parce que t'as fait le tour du paddock, tu les as tous vus. Non, j'ai rigolé, regardé un petit peu... Il se chambrait en disant la tienne elle est pas top, la tienne elle est si, donc c'était drôle. Je pense qu'ils doivent passer une très très bonne journée entre copains, surtout il y en a certains qui se retrouvent, donc non, c'est un bon dimanche pour eux et pour nous aussi. En vrai, quand on est en haut, il y a les fourmis, ça donne envie d'y aller ou pas?
Oui, ben oui, parce que franchement, c'est sympa. Est-ce que t'aimes les sports extrêmes, toi? Parce que tu sais qu'avec Red Bull, on touche à beaucoup de sports extrêmes. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire? Ben moi, là-bas, je suis issu de Biarritz. En fait, j'ai commencé par le surf. Yes. Donc, je suis vraiment amateur de sports extrêmes, surf, skate, beaucoup de skate. Et bon, maintenant rugby, parce que c'est mon métier et il faut rester focalisé dessus. Mais je suis beaucoup les sports extrêmes. Ouais. Et alors ça, c'est quand même étonnant ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est Jackie et José qui font une descente de caisse à savon sans caisse à savon. Ils pourraient finir en courant. Franchement. Okay. Non, mais clairement, c'est quoi J'ai une base de trottinette. J'espère qu'on les retrouvera parce que j'ai besoin d'avoir des explications. Il faut qu'ils nous débriefent là, ce qui s'est passé techniquement. En vrai, on les a sentis crispés dès le début. Ils n'étaient pas prêts. Peut-être pas assez de prépa, non. On a un petit contrat pas mal là, mais en fait on avait un airbag, mais il s'est décroché après une fois que j'étais au sol. Donc c'est pas un airbag, c'est génial. Non, mais on l'avait accroché trop large. On revoit cette chute. C'est impressionnant. La chute est belle. Prêt à repartir. Le Jackie devant, il est mal. Il est dans le mal là. On reviendra. Tout va pour Rêve de Gosse. Faites un don. Allez sur superrêvedegosse.fr et vous faites un don. Même 1 euro, ça suffira. Vous allez faire un don. Parce qu'on le rappelle, ils sont là pour Rêve de Gosse. Ah ouais. Oui, merci. Super Rêve de Gosse, l'année prochaine, c'est super. Non, grosse descente, c'était stylé. Vous allez faire un don. Ouais. L'ambiance est là, en tout cas, ils se sont battus pour cette association Rêve de Gosse. Je me suis rappelé ce que disait Brice.